Bonsoir à tous et bienvenue. Je m'appelle Nicolas Montalbano et je suis ravi d'être votre hôte ce soir. J'ai 24 ans, je vais avoir mon quart de siècle en octobre. Je suis un ancien arbitre de football. J'ai eu l'occasion d'arbitrer notamment Marseille, Lyon, Saint-Étienne ou encore l'OGC Nice en équipe jeune. Et j'ai rejoint USANA en octobre dernier. Nous avons la chance ce soir d'avoir deux intervenants d'expérience pour la formation, Sarah Hanou et Stéphane Duré. Sarah a 35 ans et vit à Beauvais, une petite ville au nord de Paris. Sarah aime voyager, faire de la marche et du vélo en flânant. Depuis ses 18 ans, elle évolue dans le domaine de la construction en tant que conductrice de travaux, chef de projet en construction. C'est un poste exigeant et demandant beaucoup d'investissement. Elle a beaucoup travaillé pour mener à bien tous les projets qu'on lui confie. Forte de plus de 10 ans d'expérience en France et à l'international, elle décide de se mettre à son compte en 2019 pour avoir un meilleur équilibre de vie tout en se rendant utile. Elle a découvert USANA en août dernier et a trouvé une opportunité de développer sa propre entreprise en ligne tout en prenant soin de sa santé et celle de ses proches. Stéphane, quant à lui, a 51 ans et vit sur la Côte d'Azur avec sa compagne Hélène. Il est entrepreneur depuis plus de 20 ans, tout d'abord assureur, puis propriétaire de salle de sport. Cela fait 10 ans qu'il s'intéresse à la santé préventive, notamment par l'activité physique, la gestion du stress et la micronutrition cellulaire. Début 2021, il a découvert USANA, l'excellence de ses produits et sa formidable opportunité entrepreneuriale. Début 2022, il a vendu sa salle de sport pour consacrer prioritairement son temps à son entreprise USANA et à la promotion d'un style de vie sain. N'hésitez pas à prendre des notes, vous pourrez poser des questions à la fin de la session. Stéphane, à toi la parole, on t'écoute avec attention. Ouais, super. Mais écoute, bravo Nicolas. Merci pour cette superbe introduction. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très content de vous voir. Donc super. Merci d'allumer vos caméras. C'est quand même super sympa, beaucoup plus sympa quand on vous voit que quand on ne vous voit pas. Donc voilà, ça fait super plaisir. Donc ce soir, formation importante. Donc je crois que il me semble avoir vu qu'il y avait certains invités qui étaient là, effectivement, quelques noms que je ne connais pas, mais c'est, alors, sachez que c'est à la base une formation pour nos coéquipiers, pour les membres de notre équipe, voilà, mais qu'on a ouvert exceptionnellement, donc à vous qui êtes peut-être clients ou en passe de le devenir, ou peut-être vous intéresser à également devenir distributeur, peu importe la raison pour laquelle vous êtes là. On va tâcher à vous parler un petit peu de l'alimentation, de la micronutrition et des solutions USANA. Il y a. Voilà, et d'abord la première chose, pourquoi est-ce que c'est important de se supplémenter? Parce que ce n'est pas forcément évident, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la santé commence par la plus infime partie qu'il y a en nous-mêmes. Il faut savoir que nous avons à peu près 50 000 milliards de cellules à l'intérieur de nous-mêmes, et tout commence par la cellule et la bonne santé de la cellule. Et toutes nos cellules, elles ont énormément besoin de micronutriments pour assurer un bon fonctionnement. Il y a tout un tas d'ouvrages sur le sujet. Et les dernières recherches en termes de santé préventive montrent bien qu'un style de vie sain va être tout aussi important que notre génétique, voire même plus important que notre génétique. On parle aujourd'hui de notion d'épigénétique. Avec un style de vie sain, globalement, je ne parle pas que de micronutrition, je parle également de gérer son stress, je parle d'avoir une activité physique, je parle d'avoir une vie sociale, je parle de manger globalement sainement. Un style de vie sain a un impact énorme, énorme sur le fait qu'on va pouvoir déclarer ou pas des maladies dégénératives. Donc, pour rester en excellente santé, eh bien, il faut avoir ce style de vie sain, dont une excellente micronutrition, ça c'est le métier du USANA. Donc aujourd'hui, USANA propose une vaste gamme de vitamines, de suppléments, donc pour avoir vraiment une santé optimale à chaque instant. Donc, alors on peut se dire, c'est super, mais moi je mange sainement, etc. Aujourd'hui, j'ai une alimentation qui est équilibrée, j'essaie de prendre des aliments sains, etc. Alors ça, c'est super, mais sachez qu'aujourd'hui, ça n'est viable qu'à une seule condition. C'est si vous avez vous-même, vous ne mangez que les pommes de votre pommier qui est dans votre jardin depuis 4 générations et qui n'a jamais vu d'engrais industriels et de choses comme ça. Vous ne mangez que des fruits et des légumes qui sont des semences
anciennes, qui ne sont pas des semences que vous avez achetées chez Gamme Vert ou une autre jardinerie, et qui, voilà, que des choses comme ça. Sinon, ben, aujourd'hui, il n'y a plus les micronutriments dont nous avons besoin dans notre alimentation. En moyenne, il faut savoir que avec l'alimentation industrielle, les plats préparés, etc., en moyenne, un Français aujourd'hui consomme 65% de micronutriments, donc de vitamines, de minéraux, etc., en moins que dans les années 50. D'accord ? Il y a des études qui sont sorties là-dessus, et il y en a une qui a bien défrayé la chronique, qui est même passée au journal télévisé. Je vous laisse l'écouter. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. Alors, en 50 ans, quels aliments se sont également appauvris? Eh bien, à part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande, qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Au total, sur 25 végétaux étudiés par les chercheurs, 80% ont vu leur teneur en calcium et fer décliner. Alors, quelles sont les raisons de ces pertes nutritionnelles? Alors, les facteurs sont multiples. Des sols plus pauvres, des végétaux cueillis trop tôt, des traitements pour la conservation plus fréquents, mais aussi une croissance plus rapide, boostée par des engrais, problème. Plus les rendements liés à la production augmentent, plus la concentration de nutriments diminue. Nous vous conseillons donc de privilégier les aliments mûrs, éviter ceux issus de la production de masse et se tourner vers des variétés oubliées. Voilà, donc les variétés oubliées, effectivement, c'est une excellente idée. La seule chose, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il est interdit de vendre des fruits et des légumes qui sont de ces fameuses variétés oubliées. Il y a une liste de fruits et de légumes qui sont en fait issus des grands semenciers, qui sont les seuls autorisés à être vendus sur le marché. Donc, vous pouvez regarder, il y a des reportages sur Cache Investigation. Vous regardez sur YouTube Cache Investigation, vous tapez Cache Investigation tomates ou fruits et légumes, etc. Et il y a un reportage de 2 heures, une enquête de 2 heures de Cache Investigation qui remonte à il y a 3-4 ans, qui est très, très explicite sur le sujet. Donc, je ne peux que vous inviter à la suivre si vous voulez vous renseigner sur le sujet. C'est pas très réjouissant. Mais nous, on est là pour se faire du bien. Et voilà, moi, ça fait donc une dizaine d'années que je m'intéresse très sérieusement à ces notions de micronutrition et de santé préventive. Et je me suis rendu compte que la santé, la micronutrition est essentielle. Et je cherchais un partenaire d'excellence. Et ben, j'ai trouvé USANA. Pourquoi USANA? Parce que USANA est une entreprise, c'est à ma connaissance la seule entreprise qui est fondée par un scientifique, ce docteur Myron Wentz. USANA existe depuis 1992, mais l'histoire de Myron Wentz a commencé bien avant, vu que c'est un éminent biologiste, un éminent immunologiste qui avait fondé initialement le laboratoire Gull, donc aux États-Unis, et il a, c'était un pur spécialiste des tests de dépistage de maladies, donc notamment le test de dépistage de la maladie de la mononucléose, c'est lui qui en a été l'inventeur. Mais il en a inventé beaucoup d'autres, etc. Il a fait de la culture de cellules humaines pendant des années et des années, et il s'est rendu compte que lorsqu'on apportait tout ce qu'il fallait à la cellule, elle restait en excellente santé. Et qu'en fait, la dégénérescence des cellules était beaucoup liée à des facteurs extérieurs, à tout son environnement, et non pas, comme on pouvait le croire avec le dogme à l'époque, le sacro-saint dogme du tout génétique. Il s'est rendu compte que tout ce qui se passe dans l'environnement en fait, va activer ou pas les gènes, et une excellente micronutrition va permettre d'être vraiment au top sur ce point-là. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est fait racheter ses laboratoires Gull par un grand laboratoire allemand, il a décidé de créer, alors qu'il avait déjà 50 ans largement passé, qu'il avait un chèque de 25 millions de dollars devant lui, il a décidé, plutôt que de siroter des pina coladas sous les cocotiers, il a décidé de fonder USANA, USANA Health Sciences, donc pour créer les meilleurs micronutriments disponibles sur le marché. En 2000, il a créé également l'établissement, le Sanofi Medical Institute, donc qui est une clinique d'approche holistique de la santé, donc d'approche globale de la santé. En 2007, il a été récompensé du prix Albert Einstein, donc c'est juste en dessous du prix Nobel, vous voyez, c'est vraiment le top du top au niveau mondial, pour ses réalisations exceptionnelles dans les domaines des sciences de la vie. USANA est coté en bourse depuis 2011
Et ils ont créé une fondation qui a une activité mondiale, une vraie fondation qui prend soin des gens partout dans le monde. Et aujourd'hui, USANA est une entreprise qui est implantée dans 24 pays, bientôt 25, parce que ça y est, c'est officiel. USANA va s'implanter en Inde à partir du troisième quadrimestre de 2023. Et donc, aujourd'hui, USANA est une entreprise qui a plus de 30 ans et 30 ans d'excellence dans sa recherche. Pourquoi USANA? Eh bien, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi les produits USANA? Moi j'ai choisi les produits USANA parce que je me suis rendu compte qu'il y a une vraie démarche scientifique. L'équipe de scientifiques USANA, aujourd'hui, il y a plus de 150 scientifiques qui travaillent quotidiennement en recherche, en développement, en biochimie, dans la biologie moléculaire, cellulaire, dans la pharmacologie, la génétique, les sciences du sport, etc. Ils travaillent quotidiennement pour améliorer en permanence la qualité des produits que nous distribuons. Okay? Ça, c'est exceptionnel. J'ai eu le privilège d'avoir cette belle tenue que vous pouvez voir ici avec cette magnifique charlotte et cette magnifique blouse blanche. Alors, c'était important. Ah, si, il y a une personne ici au bout là qui a également un joli masque transparent qui est extrêmement saillant. J'ai eu le privilège de pouvoir visiter, comme on le voit ici sur la photo, de pouvoir visiter les lignes de fabrication des produits USANA. Parce qu'USANA fabrique chacun de ces compléments. Chaque supplément est soumis à une ligne de contrôle extrêmement rigoureuse. Ça va de vraiment. Il y a chaque agriculteur qui travaille avec USANA, parce que les produits sont des produits naturels, donc chaque agriculteur qui travaille avec USANA a un cahier des charges extrêmement précis et tout est contrôlé. On va voir un petit peu plus loin que chaque carton qui arrive, il y a un prélèvement qui est fait à l'intérieur, ça part au labo pour vérifier que la matière première est dans les critères de qualité fixés par USANA qui sont au top du top. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on peut choisir USANA et pourquoi moi j'ai décidé de choisir USANA? C'est notamment avec ce sceau-là, la signature du docteur Myron Wentz qui est sur chaque bouteille de produit. On a cela hein, pour tous les distributeurs et les gens qui sont déjà clients. Vous pouvez regarder sur vos bouteilles, vous la verrez, cette petite chose. Ce sceau, en fait, c'est la garantie légale hein, aux États-Unis. Comme quoi chaque supplément répond aux normes suivantes. Pureté. Tous les suppléments sont totalement purs. Ils sont exempts de toute impureté ou de toute trace de contamination. Identité. Les ingrédients du produit sont vérifiables tels qu'ils sont décrits sur l'étiquette. La composition. Le contenu du produit est exactement ce qu'il est censé être et dans les quantités exactes qu'il y a sur l'étiquette. La concentration des ingrédients, elle est adéquate. Sachez, j'en profite, que vous pouvez utiliser l'intégralité de la gamme USANA. On va voir un petit peu comment est-ce qu'elle se compose, mais il n'y a pas de risque de surdosage si vous respectez les doses indiquées sur les emballages. Et enfin, la qualité pour répondre, vraiment une qualité exceptionnelle pour répondre vraiment à toutes nos attentes. Okay? Donc, USANA se soumet volontairement à un système de vérification qui est vraiment impressionnant. Quand vous visitez ça, vous voyez vraiment qu'à chaque stade, il y a des contrôles. Tiens, vous voyez ici, on voit une sorte qui ressemble entre guillemets, à une poubelle. Pourquoi? Parce que même à ce stade-là, on est juste avant l'emballage, hein, il y a encore une vérification et il peut y avoir un cachet qui présenterait le moindre problème au niveau de son poids ou qu'il y ait un cachet qui soit cassé en deux ou quoi. Et puis, il est éjecté instantanément. Il y a des tests absolument de partout. Donc, aujourd'hui, l'entreprise fait appel à des laboratoires de contrôle indépendants de son propre chef. Ce n'est pas du tout une obligation légale, hein, c'est de leur propre chef. Ils veulent être irréprochables en termes de qualité. Ils font partie de tous les groupements United Natural Product Alliance, qui est une association de producteurs de produits naturels aux États-Unis, des groupements d'entreprises dont la mission commune est de fournir aux consommateurs des produits de santé naturelle de qualité supérieure. Voilà, ils sont vraiment au top du top en termes de qualité. Et tiens, là, je vous montre, c'est pas bien, je ne l'avais pas sorti auparavant, mais il est là. Il est là, il est là. Hop. Vous avez une étude. Pour nos amis distributeurs, si vous ne l'avez pas encore, commandez-le. Vous avez ça sur
Amazon, demandez les références à votre parrain. C'est une étude qui s'appelle NutriSearch, qui est une étude comparative qui compare 1600, les 1600 multivitamines du marché américain, du marché canadien, du marché mexicain, du marché colombien. Et sur ces quatre marchés, cette étude qui est totalement indépendante, met systématiquement le produit Visana en numéro 1 devant tous les autres produits du marché. C'est véritablement un produit d'excellence. Et c'est pourquoi, pourquoi? Parce que il y a une équipe de recherche et développement qui est vraiment formée là-dessus et qui travaille sur toute la nutrition, la biologie cellulaire, la biochimie, la génétique, les microbiomes, etc. Ils travaillent avec des médecins et donc ils sont chargés, tous ces gens-là, de faire la recherche et développement, de faire du contrôle, de suivre toute la fabrication et la qualité des produits à chaque instant. Ça, c'est le siège du Zana. Donc, on va en faire une petite visite. Moi, je l'ai visité l'été dernier et je peux vous assurer que c'est véritablement impressionnant. Je vous parlais du contrôle qualité. Dès qu'un carton de matière première arrive, il passe là dans cette sorte de petite salle blanche amovible où en fait il y a des prélèvements qui sont faits pour aller en quarantaine. Et tant que le bureau de le laboratoire n'a pas donné son feu vert, les matières premières sont en quarantaine, elles ne partent pas en production. Derrière, elles partent en production avec des appareils qui sont vraiment le top de ce qui se fait au niveau mondial. C'est des appareils qu'on ne retrouve habituellement que dans les labos des labos pharmaceutiques, bien qu'on soit ici sur du complément alimentaire naturel. Tout est fabriqué intégralement par Visana de façon à être sûr et certain de la qualité des produits qui sont mis. Et donc, c'est aujourd'hui d'ailleurs un bâtiment qui est en passe de devenir un bâtiment à énergie positive. Donc, il y a une vraie démarche RSE, comme on dit maintenant en France, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est donc ici que travaillent plus de 150 scientifiques, main dans la main. Il y a plus de 1000 salariés ici qui travaillent au siège Visana à cette fabrication. Donc, un aperçu. Alors, j'ai élagué un petit peu tous les brevets qui pouvaient y avoir, mais j'ai fait un focus quand même sur un brevet qui, pour moi, est un brevet essentiel. C'est le brevet de la technologie InCelligence. Donc, cette technologie, c'est une. InCelligence, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est breveté. Des compléments alimentaires où le principe c'est que ça va en fait booster la performance de la cellule en allant vraiment, donc c'est une technologie de signalisation cellulaire, donc on trouve dans tout un tas de produits, donc les Cell Essentials qui sont multivitamines de base, mais également donc le Procosal, Copa Prime, Proglucamune, etc., donc qui sont d'autres, des produits comme les Basil, etc., et dans la gamme des soins de la peau, c'est la vie. On retrouve cette technologie InCelligence, donc en fait qui va, en fait on va apporter un complément qui va aider la cellule à elle-même générer des choses bienfaisantes pour elle, pour notre corps. D'accord? C'est ça en gros le principe de cette technologie, c'est breveté et donc on est les seuls au monde à avoir des compléments alimentaires de ce niveau-là. USANA est récompensé régulièrement. USANA a été élu meilleur fabricant de produits de micronutrition, de produits nutritionnels aux États-Unis en 2018. Ils l'ont été en 2019. Je n'ai pas la photo, je sais qu'ils l'ont été en 2020. Je n'ai pas la suite. Ça, c'est une étude qui remonte à 2021, une étude française, donc d'un laboratoire qui s'appelle Nutraveris, laboratoire indépendant aussi. C'est un bureau de contrôle qui vient vérifier la qualité des produits qui sont mis sur le marché européen. Donc, un laboratoire, qu'il soit français, allemand, américain ou japonais, va devoir systématiquement avoir un label, une autorisation de mise sur le marché. Ce sont des gens comme Nutraveris qui permettent de faire ça. Donc, c'est USANA qui termine en première position. Et vous voyez là où USANA a une note d'excellence de 91 sur 100, c'est-à-dire mention très bien et félicitations du jury au bac, hein, c'est les numéros 1. Vous avez des gens qui vendent des produits en pharmacie, comme le Beroca, comme on ne l'a pas ici, vraiment tout un tas de produits comme le Supradine, etc., qui sont des gens qui n'ont pas la moyenne, voire qui sont vraiment très, très, très mauvais. Il y a des notes qui descendent à 35, hein, sur des produits que vous voyez en tête de gondole dans les pharmacies. Donc, on est là vraiment sur du produit d'excellence, là où malheureusement on trouve beaucoup de choses qui sont médiocres. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les prix qui ont été reçus, il y en a des centaines et des centaines.
Vous avez tout ça dans votre hub si vous voulez avoir des détails. Juste vraiment un focus sur ce prix Albert Einstein, donc, qui est vraiment exceptionnel, donc décerné à Myron Wentz. Et puis ce Best of State Award qui a été remis, vous voyez, de nombreuses fois, hein, 10 fois depuis 2003, 5 fois depuis 2007 dans la catégorie complément alimentaire, par rapport aux produits de santé personnelle, la nutrition santé, science et technologie. Et la nutrition de la santé, etc. Donc, oui, il y a vraiment des produits, des choses qui sont régulièrement récompensées. Et moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et aujourd'hui, donc, USANA est fournisseur officiel de plus de 4 800 même sportifs de niveau international. Avec, bon, évidemment, bah, c'est une société américaine, beaucoup de fédérations de sport américaine, hein, mais vous voyez ici des choses en Corée, donc Fédération de luge, Fédération des Philippines, mais là vous avez par exemple la WTA qui est la Fédération internationale de tennis féminin. Voilà, et ici vous avez ici sur la droite notre petite française Alison Pinault qui utilise officiellement les produits USANA, et donc ben, regardez un petit peu ce que dit Alison Pinault de son utilisation à elle en tant que sportive hein, des produits USANA. Donc la nutrition a pris une plus grande place, je dirais, tout au long de ma carrière. Au départ, quand j'étais plus jeune, je pense que quand j'ai eu ma première opération au genou, j'ai eu un petit déclic quand même. Je savais que c'était important donc, en tant qu'athlète de bien me nourrir. J'ai découvert USANA il y a maintenant bientôt 5 ans et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais à un moment charnière, je dirais, dans ma carrière d'athlète où je sentais que j'avais besoin de changer quelque chose et que au niveau nutritionnel, je me rendais bien compte que je pouvais faire mieux. J'ai eu aussi d'autres tests avec d'autres marques qui ne m'ont pas forcément plu. Et donc, quand je suis arrivée chez USANA et que j'ai essayé les produits, bah, tout simplement, la qualité des produits fait que je ne me fais pas de soucis. Si demain j'ai un contrôle antidopage, je suis protégée. Donc, tout simplement, c'est la raison pourquoi j'ai choisi USANA. Voilà, donc tiens, je vais partager avec vous. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle La biologie des croyances, qui est faite justement par un biologiste. Et il explique là-dedans que dans la notion des compléments alimentaires, il y a eu un certain nombre de scandales parce que les normes de production des compléments alimentaires en fait, font que. Dans certains pays, notamment les États-Unis, il y a très très peu de contrôle en fait. En Europe, heureusement, on en a un petit peu plus, mais les tolérances sont extrêmement importantes s'agissant des compléments alimentaires sur le manque de qualité en fait, parce qu'un produit naturel, il peut y avoir des grosses variations en fonction que vous ayez un produit d'été ou un produit d'hiver. Et donc, il y a des tolérances qui sont de plus de 25% minimum, entre 25 et 50% selon le type de produit, d'écart entre ce qu'il y a décrit sur l'étiquette et ce qu'il y a réellement dans le produit. Aux États-Unis, ils ont même constaté des problèmes très graves, et je sais qu'il y a eu des problèmes comme ça en France à l'époque où j'étais moi-même sportif d'assez haut niveau, parce qu'on faisait très attention au contrôle antidopage, bien évidemment, et on s'est rendu compte qu'avec des produits qu'on trouvait en pharmacie, il y avait des surdosages et on s'est retrouvé avec des produits dopants, notamment des stéroïdes, des choses comme ça, sur des produits qui étaient censés être tout à fait anodins, comme les multivitamines. Et il y a eu des gros scandales et il y a eu des gros problèmes avec des surdosages aux États-Unis. Il parle dans le bouquin d'un surdosage. Il y avait 1 000 fois la dose normale. 1 000 fois la dose normale dans le produit. Donc là, on a atteint une dose de toxicité. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avec un produit USANA, parce qu'il y a plus de 1 000 points de contrôle sur la chaîne de production et qu'il y a toutes les quarts d'heure, il y a un contrôle qui est fait sur chaque produit qui sort de la chaîne, de façon à être sûr que ça soit toujours au top. Donc voilà, la gamme de produits en micronutrition, la voici. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Vous avez le produit de base qui est ce multivitamine dont on a parlé, qui s'appelle donc les Cell Essentials. On va détailler juste un petit peu après. Et puis, vous avez ensuite ce qu'on appelle des optimizers. D'accord? Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu les Cell Essentials. Je vais vous présenter également son pendant pour les enfants, qui est le Body Rocks. Et puis ensuite, Sarah prendra la parole pour vous présenter, eh bien,
chaque produit, quels sont ses effets, ses prix, etc. Et en quoi ils sont intéressants, mais ce sera toujours en symbiose avec les essentials de base. Parce que la base, la micronutrition de base, ce sont les essentials. Et on va y ajouter un optimizer, donc un optimiseur, un booster, un turbo, si vous voulez, pour aller chercher cibler telle ou telle thématique plus particulièrement. Donc, les Cell Essentials, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le produit qui est considéré comme étant le plus complet, le plus biodisponible et le plus efficace de tous les multivitamines. Donc, dans cette étude NutriSearch, hein, qui est un bouquin, hein, qui fait 178 pages. Donc, mais c'est vraiment un truc complet à lire. Il y a une importance, beaucoup d'antioxydants, hein, et notamment très puissants par rapport à ce qu'on trouve sur d'autres marques du marché, et vraiment des complexes en vitamine B qui sont extrêmement complets. Donc, dans les Cell Essentials, vous trouvez vraiment des phytonutriments de manière très large, des antioxydants de manière très très large. Alors, je vous laisse lire un petit peu les choses, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez vraiment un panel très complet des vitamines, en tout cas toutes celles dont nous avons besoin, nous, pour notre alimentation occidentale, et notamment européenne, parce que la composition des Cell Essentials n'est pas la même aux États-Unis qu'en Chine ou en Europe, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et également donc en minéraux, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, que ce soit notamment en magnésium, en calcium, etc., mais il y a tout ce qu'il faut donc dans les différents minéraux. Okay? C'est très complet. Et à qui ça s'adresse, ces Cell Essentials? Ben, ça s'adresse un petit peu à tout le monde parce que ça va vraiment avoir un effet global de protection contre l'oxydation, de ralentissement du vieillissement. Ça supporte complètement le système immunitaire, ça améliore la digestion, ça favorise globalement un bon métabolisme des hydrates de carbone, donc de tout ce qui est sucre, et donc un bon métabolisme des graisses, donc pour les gens qui ont du cholestérol, etc. Ça va permettre de réguler un petit peu tout ça. Ça ralentit la chute des cheveux, ça je peux vous assurer que moi ça m'a changé la vie là-dessus. Ça favorise la repousse. Ça permet de supporter une bonne vue. Tiens, petit témoignage personnel, ça fait 2 ans que je consomme les suppléments USANA et j'ai récupéré un petit peu d'acuité visuelle. J'ai changé mes lunettes récemment, j'ai récupéré un petit peu d'acuité visuelle. L'ophtalmo m'a même refait les tests à 2 fois et j'ai récupéré de l'acuité visuelle. J'y voyais mieux qu'il y a 2 ans. C'est excellent pour les os, les articulations, les dents, etc. Globalement, c'est le support de la bonne santé en général. Donc ça se destine à qui? Ben, à tout le monde, oh, pardon pour la faute d'orthographe, à tous les adultes et les femmes, y compris enceintes. C'est même fortement recommandé pour les femmes enceintes. Okay? On n'est pas sur des médicaments, ce n'est pas parce que c'est des pilules que ce sont des médicaments, ce sont des aliments et ça va vraiment permettre d'apporter tout ce qu'il faut, notamment au bébé, au nourrisson, enfin, à l'embryon et voilà, au fœtus, etc. Donc, on vous recommande vraiment de suivre les recommandations d'USANA, c'est-à-dire d'en prendre 2 de chaque le matin, donc 2 vitamines antioxydantes le matin, 2 corps minéraux le matin et 2 de chaque le soir. Donc, ce qui fait 4 et 4. Okay? Au début, là, je m'adresse tout particulièrement à ceux qui viennent de nous rejoindre et à ceux qui s'intéressent à tout ça, qui nous découvrent. Vous allez avoir des signes de guérison. Votre corps peut réagir et avoir des effets entre guillemets un petit peu indésirables. C'est très temporaire, ça ne dure que quelques jours, maximum une semaine. C'est ce qu'on appelle des effets de détoxification. Ça peut être des diarrhées, des sortes de petits étourdissements, des gaz, des petits maux de tête, de la toux. Vous pouvez avoir le sentiment que ça tape un peu au niveau cardiaque. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps libère des toxines. Et cette réaction n'est pas liée directement au produit, mais liée aux toxines que votre corps libère. Hein? Donc voilà, vous pouvez avoir aussi, par exemple, des boutons, des petites poussées d'acné, ça ne dure que quelques jours. Voilà. Tant que ça n'est pas hyper violent, hein, c'est plutôt très bon signe que qu'il y ait tout ça, ça veut dire que vous en avez particulièrement besoin. Et donc ça signifie en fait que vos cellules sont en train de faire le boulot, elles sont en train de se remettre à travailler normalement, elles sont en train de nettoyer votre organisme. Donc surtout, n'arrêtez pas tout. Éventuellement, si c'est un peu violent, vous diminuez la dose pendant quelques jours pour reprendre la dose normale après. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour les adultes. Mais
Pour les enfants, Usana a pensé également aux enfants. Donc, il y a notamment donc, le Body Rocks. Le Body Rocks, c'est un petit peu, donc c'est le multivitamine qui va venir un petit peu combler les lacunes de l'alimentation typique de nos adolescents. Okay? Donc, ça s'adresse vraiment aux ados, c'est-à-dire de 10 à 18 ans. Je mets un petit peu à part les sportifs de haut niveau qui peuvent être à 15 ans, être déjà plutôt sur du Sales Essentials ou quoi. Je parle de l'ado standard, hein, qui est dans sa PlayStation et qui ne fait guère d'autres sports que ses cours d'éducation physique et sportive au lycée. Donc, je connais ça, j'en ai deux à la maison. Hein, donc, voilà. Donc, ces ados-là, ce multivitamine va vraiment leur permettre d'avoir un sommeil récupérateur, d'avoir la pêche, de ne plus avoir le coup de barre début d'après-midi, d'avoir tous les micronutriments, d'être bien, d'avoir une bonne concentration. Ça va permettre de réguler un petit peu les sauts d'humeur, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc ça, c'est 3 tablettes par jour. Donc on conseille de le matin au soir. Donc voilà, ça, c'est le programme de base. Okay? Et ensuite, ben, il y a les optimizers. Donc les optimizers qui vont permettre d'aller améliorer telle ou telle thématique. Ça, c'est Sarah, donc, qui va prendre la suite de cette présentation. Sarah, je te laisse la parole. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc oui, Stéphane nous a présenté les multivitamines minéraux antioxydants de base du Sana, donc qui sont vraiment déjà une très très bonne base pour ceux qui veulent commencer ou justement bah, changer de marque. Vous verrez les effets vraiment très rapidement. Et puis moi, je vais vous présenter les optimizers, qu'on dit en anglais, je vais vous le dire en français, les optimisateurs, donc qui vont permettre de booster en plus votre organisme. Donc voilà, vous pouvez prendre des photos, des impressions écran de ce qu'on va vous présenter, comme ça vous vous souviendrez de quel produit vous parlez le plus. Et ça peut être intéressant pour vous après pour discuter avec la personne qui vous a invité. Donc voilà, le premier optimisateur, c'est le Procosa. Donc le Procosa, c'est vraiment pour soutenir les articulations. Toutes les articulations, tous les tissus mous dans les articulations, c'est quelque chose qui va aider ton corps à fabriquer du collagène, à mieux récupérer. Donc il y a le complexe exclusif Meriva dedans, qui a été développé par USANA. Et qui rend les composants 30 fois plus biodisponibles que les autres. Et donc, dedans, il y a de la glucosamine. La glucosamine qui se trouve dans le Procosa est 100% d'origine végétale. Donc, chez beaucoup de concurrents, voilà, c'est plus de l'origine animale. C'est voilà, des pinces de crabe qui sont broyées en gros. Donc voilà, mais le Procosa, c'est un très, très bon produit pour tout le système donc de cartilage et des articulations. Donc, si vous avez des douleurs au niveau des articulations, ce produit est fait pour vous. Et voilà, permettent aussi de récupérer au niveau des articulations, d'avoir des articulations en bon état, de les conserver en bon état. Au niveau du dosage, c'est 3 tablettes par jour. Donc voilà, nous, on préconise une tablette le matin, 2 tablettes le soir, pour que la nuit, en fait, ça puisse ça ait le temps de mieux récupérer, mieux travailler sur votre corps. Donc voilà, c'est des compléments qui aident le corps à fonctionner de manière optimale. Et il faut savoir aussi que le corps, il met minimum 90 jours pour renouveler ses cellules. Excusez-moi. Donc oui, minimum 90 jours pour renouveler ses cellules. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, si vous êtes intéressé, c'est quand même de voir les résultats sur la durée. Et en étant régulier surtout, en les prenant bien chaque jour et voilà, de faire une cure longue durée pour vraiment avoir les effets optimaux. Le deuxième optimisateur, c'est le Manical D. Donc, c'est du magnésium, du calcium et de la vitamine D. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois éléments, ils fonctionnent ensemble.
Donc, si on a un souci de vitamine D, eh ben, le magnésium et le calcium vont pas rester en fait dans l'organisme, vont pas fonctionner normalement. Et inversement, s'il y a pas assez de magnésium, voilà, il peut y avoir des difficultés au niveau du calcium, au niveau de l'assimilation du calcium. Et donc, au final, le calcium, si vous n'arrivez pas à le garder en ayant l'aide du magnésium et de la vitamine D, eh ben, il va aller le chercher où ? Ben, dans les os. Et c'est là où vous avez un risque du coup d'ostéoporose et bah, c'est là où voilà, les soucis arrivent. Donc le mieux, c'est d'éviter ça. Donc pour les bons dosages, le dosage, c'est 2 le matin, 2 le soir. Voilà, c'est pour les adultes, les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes de sommeil aussi ou de transpiration. Parce qu'il faut savoir qu'avoir un bon taux de magnésium en fait, dans l'organisme, ça aide voilà, à mieux dormir. Donc ceux qui ont des soucis au niveau sommeil, c'est un produit aussi bah, qui est fait pour vous et qui fonctionne bien. Et ça aide donc du coup les muscles aussi à mieux récupérer au niveau du système musculaire et au niveau du système nerveux. Donc, et puis j'insiste du coup sur le fait que voilà, les gens qui ont des soucis d'ostéoporose, voilà, c'est de la prévention bien entendu, hein. Mais on est au niveau de la prévention avec les produits USANA. Mais voilà, c'est mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, et ces produits sont vraiment de très haute qualité. Moi, je préfère préciser, voilà, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin, mais tout ce que je vous dis, c'est des formations que moi j'ai eues, qui ont été validées par les scientifiques chez USANA. Donc, c'est des informations voilà, qui viennent directement des scientifiques de USANA. Il y a plus de 150 scientifiques qui y travaillent à temps plein. Donc, voilà, c'est des données fiables et sûres sur lesquelles on se repose. Le prochain produit, c'est le Profavanol. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de décalage avec mes slides. Non ? Non, c'est bon. Ah, non, merci, c'est bon. Okay. Stéphane. Ça marche, ok. C'est pour m'adapter, parce que c'est moi qui défile les... donc, voilà. Donc oui, je vous disais, sur le Profavanol, C100, C200, donc parce qu'il y a deux niveaux de composition, un plus élevé que l'autre, mais déjà le Profavanol C100 est déjà très très bon. C'est de la vitamine C et de l'extrait de pépins de raisin. Donc, je pense qu'on vous a déjà, on a déjà dit ou entendu dire que voilà, le verre de vin rouge, c'était bon pour la santé. Un verre de vin rouge par jour, c'était bon pour la santé. Non, ce n'est pas le vin qui est bon, hein, c'est ce qui contient les tanins, plus précisément. Et donc on les trouve dans les pépins de raisin, d'où ce produit avec l'extrait de pépins de raisin, et de la vitamine C, qui sont donc deux antioxydants majeurs pour le corps. Donc il y a une petite vidéo qui va suivre, on va vous montrer une petite expérience qu'on a faite qui est vraiment superbe. Et donc le Profavanol, ça peut aider à maintenir un niveau de cholestérol adéquat entre le bon et le mauvais cholestérol, et surtout favoriser le bon cholestérol. Ça aide ton corps à fonctionner de manière optimale, ainsi que ton système cardiovasculaire. Donc, et puis à limiter aussi la tension artérielle. Donc voilà, le fait de prendre par exemple le Procosa avec le Profavanol C, bah voilà, on favorise encore plus le bon fonctionnement du système immunitaire et de la circulation sanguine. Donc ça aide également à améliorer la santé de la peau avec la vitamine C, qui est essentielle pour la récupération de la peau au niveau de la production de collagène, et c'est des antioxydants, donc ça évite aussi la peau de vieillir plus rapidement. Donc ça a un effet bénéfique global sur le corps. Donc, par rapport au Profavanol C, c'est 2 tablettes par jour, donc il n'y a pas de limite maximum.
6-8 par jour ne pose aucun souci. Mais bon, après, si vous voulez, le minimum de 2 comprimés par jour, c'est déjà très bien. Donc, ça marche aussi sur les gens du coup, qui ont des problèmes d'eczéma. Et je ne l'ai pas précisé, ça marche aussi sur les gens qui ont des problèmes de peau. Donc, il y a pas mal de femmes dans l'équipe qui avaient pas mal de problèmes de peau. Et maintenant, elles utilisent, en termes de maquillage, elles se maquillent beaucoup moins parce que leur peau est beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus éclatante grâce à la micronutrition qu'elles prennent avec USANA. Je vais vous montrer la petite vidéo. Donc la vidéo est vraiment surprenante. Donc c'est Fabien Gisse, un des leaders de l'équipe, qui a fait l'expérimentation avec 4 différents antioxydants, dont celui du USANA, dont le propafanol C. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un antioxydant qui mousse, il y en a deux où il n'y a pas d'effet. Et puis le quatrième, qui est donc du coup le produit USANA, il n'a même pas besoin de touiller pour voir le Et là, on a bénéfice. une marque qui est d'un prix très raisonnable. Et regardez un peu la magie. Voilà. J'ai même pas eu besoin de faire un tour avec le. J'ai même pas eu besoin de faire un tour avec la baguette, quoi. Donc, vous voyez, enfin, c'est clairement hallucinant, on va dire. Et ça, c'est l'effet qu'il y aura sur votre corps en prenant ce produit. Donc, du coup, l'oxydant qu'ils ont utilisé dans les verres, c'est de la bétadine. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise pour désinfecter et qui est, voilà, c'est un oxydant majeur. Et là, avec l'antioxydant USANA, on peut voir que, voilà, ça a un effet immédiat, en fait, sur l'organisme. Donc, le prochain produit, c'est le Bioméga. Donc, le Bioméga, c'est des oméga-3. Donc, les oméga-3 sont essentiels pour plein de processus dans le corps, notamment pour prévenir le vieillissement, pour avoir une belle peau. Donc, ce qui différencie le Bioméga d'USANA à d'autres produits, c'est déjà sa qualité. Donc, la plupart des oméga-3 qui sont disponibles dans le commerce sont produits à l'aide de gros poissons. Donc du saumon, du cabillaud, on utilise le foie de ces poissons, tout simplement parce que c'est meilleure marche, c'est en termes économiquement, c'est plus rentable. Sauf que voilà, les gros poissons, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, et donc du coup, ils vivent assez longtemps. Et le foie, comme chez n'importe quel animal, c'est une des centrales d'épuration de son corps. Donc vraiment, il a tous les déchets, toutes les toxines qui passent par le foie et qui s'accumulent dans le foie. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes de concentration de métaux lourds dans les océans aussi. Donc voilà, ces gros poissons qui sont utilisés dans la réalisation des oméga-3 chez des concurrents, eh bien, sont plus sujets à des dépôts de métaux lourds dans leur corps. Et du coup, le bioméga que vous allez trouver chez d'autres concurrents ne seront pas de très bonne qualité. Et donc, USANA. Ils utilisent des plus petits poissons, des sardines, des maquereaux, qui sont utilisés pour extraire le bioméga. Donc c'est un processus propre et c'est filtré 2 fois pour éviter tout résidu de métaux lourds. Donc le bioméga, ça aide à une bonne circulation sanguine, ça aide contre les inflammations, ça aide aussi le muscle à être mieux défini. La peau, elle reste bien hydratée, c'est un excellent soutien du système nerveux. Donc voilà, pour ton cerveau, les neurones, les nerfs, c'est quasi que du gras et ça favorise également une bonne santé cérébrale. Et donc c'est un produit qui s'adresse vraiment à tout le monde. Pour les femmes enceintes, il y a une petite précision, c'est qu'il faut mieux éviter les 3 dernières semaines avant l'accouchement, puisque voilà, l'oméga-3 tend à fluidifier un peu le sang. Mais sinon, vraiment pour tout le monde, pour ceux qui ont un système immunitaire faible, pour les sportifs. Ceux qui ont des problèmes de peau, ça marche vraiment très bien. Même les enfants à partir de 2 ans peuvent le prendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi un truc qui est vraiment pas mal, le Bioméga USANA, voilà, c'est mélangé avec un peu d'huile de citron naturelle.
Donc, ça fait que bah, ça n'a pas le goût, on va dire, vraiment très désagréable bah, qu'on peut connaître avec, par exemple, l'huile de foie de morue ou autre qu'on pouvait avoir pour les plus anciens d'entre nous quand on était enfant, quand on était malade. Donc voilà. Après, il y a la vitamine D, la vitamine du soleil, comme on l'appelle. Moi personnellement, dans le Nord, ben voilà, je suis obligée de me supplémenter en vitamine D, comme on n'a pas voilà, le soleil souvent, et même quand on l'a, ben, voilà, moi j'ai une activité sédentaire, beaucoup de gens ont une activité sédentaire, donc on est souvent à l'intérieur et devant un écran, et du coup, on a moins l'occasion en fait d'assimiler la vitamine D qui est essentielle en fait pour le corps, puisque le corps ne le produit pas. Donc, il faut faire un apport. Donc, il y a 80% des personnes dans le monde qui sont en déficience et qui n'ont pas de vitamine D. Donc, ça aide pour les os, ça aide le système immunitaire aussi. Donc, voilà. Et puis, avec bah, le Covid, tout ça et tout, c'est vrai que moi, on me disait, prends la vitamine D, tu seras un peu mieux protégé et tout. Donc, pour le système immunitaire, c'est vraiment intéressant. Et ça aide aussi à la coordination musculaire et ça s'adresse donc à toutes les personnes en bonne santé, justement, pour rester en bonne santé. Donc vous avez aussi les gens qui sont en excès de poids ou en obèse, qui devraient en prendre, parce qu'avoir une forte, qui ont une forte carence en vitamine D, et que du coup, en fait, en ayant de la vitamine D, bah, ça peut les aider voilà, à se sentir mieux. Et c'est un comprimé par jour. Vous avez ce qu'il faut en termes de dosage. Après, on a le proglucamine. C'est un produit que moi, j'adore, j'aime bien parce que clairement, bah, ça soutient encore plus le système immunitaire. C'est un produit en plus basé sur la médecine chinoise, donc avec des champignons. Et voilà, par exemple, voilà, depuis que j'en prends, dans ma famille, ils ont tous été malades dernièrement avec les changements de température et tout. Un jour il fait chaud, un jour il pleut. Ils ont tous eu la grippe ou un rhume. Je suis la seule à ne pas être tombée malade. Je peux vous dire que j'étais contente. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est vraiment bien si vous voulez rester aussi en forme et éviter bah, les maladies, on va dire, saisonnières. Et puis, bah, bien sûr, avec le Covid qu'on a eu, bah, voilà, ça peut éviter aussi d'éviter de le rattraper. Donc, aussi, ce qui est bien, c'est de bien dormir, bien manger, faire du sport pour éviter aussi, en plus en plus de se supplémenter avec ces produits. Comme je vous le disais, c'est à base de shaki et de reiki. Et donc, ça booste vraiment le système immunitaire. C'est deux comprimés par jour. Si, par exemple, vous tombez malade, moi, je sais que je peux pousser à quatre par jour pour vraiment être moins malade le plus vite possible. Après, le Polycé, donc c'est la vitamine C, donc un antioxydant. Elle aide à assimiler et favorise la production de collagène également, donc utilisée au niveau des os et des gencives. Donc les articulations, la peau, c'est quelque chose vraiment qui est, enfin voilà, c'est une jonction. Donc c'est important d'avoir de la vitamine C dans son corps. Donc c'est pour tout le monde, adulte et adolescent, deux comprimés par jour. Après, vous avez la gamme détoxification avec l'Épasil qui est vraiment intéressante puisque donc ce produit-là, c'est vraiment pour les personnes qui ont un style de vie qui n'est pas forcément 100% sain, ceux qui boivent, ceux qui fument, ou qui doivent prendre des médicaments ou qui travaillent dans des environnements pollués. Donc voilà, ça aide à assimiler les graisses dans le foie.
Et c'est vraiment pas mal aussi dans ce cas-là. Donc, c'est 3 par jour. Et si vous buvez de l'alcool ou vous allez en soirée, c'est recommandé de prendre 2 tablettes du coup avant de boire pour la récupération. Les probiotiques, ça aussi, c'est un des produits que j'affectionne particulièrement parce que j'avais quelques soucis de digestion avant de connaître USANA. Et voilà, c'est 12 milliards de bonnes bactéries, c'est des petits sachets. En plus, le goût est vraiment super. Voilà, des petits sachets avec de la poudre. Vous prenez ça avec un petit peu d'eau, c'est vraiment super. Et donc, ça crée un environnement idéal pour une bonne digestion. Ça renforce le système intestinal parce qu'il faut des bonnes bactéries justement pour avoir un bon système digestif. Et ça marche pour ceux qui voyagent, ceux qui prennent des médicaments, le fait de ne pas forcément manger de manière idéale ou un système immunitaire faible, justement. On dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Donc, il faut en prendre soin. Et donc, c'est 1 à 2 sachets par jour. Donc, voilà, pour vraiment aider. Votre flore intestinale, je vous conseille ce produit qui est vraiment très très bien. Le mind and body balance, ça c'est pour les gens qui sont un peu stressés, un stress occasionnel, qui peuvent être facilement contrariés. Voilà, il y a du safran, de la mélisse et ashwagandha. Donc voilà, ça aide à stabiliser un petit peu l'humeur et à gérer le stress. Et donc voilà, comme c'est des produits naturels, hein, et ça permet de réguler l'humeur. Donc voilà, c'est conseillé pour tous les adultes, 2 comprimés par jour. Le Calm Response, qui est aussi dans la gamme, on va dire, apaisante. Donc pareil, c'est un produit naturel à base de plantes, hein, la lavande, la bergamote, le patchouli, qui est conseillé pour tout le monde. Donc pendant la journée, voilà, vous mettez un petit peu sur le cou ou voilà, sur les poignets. C'est vraiment, ça amène une odeur un peu apaisante. Il y a pas mal de gens qui utilisent des huiles essentielles. Et en fait, c'est un peu le même principe. Si vous utilisez déjà des huiles essentielles, c'est un produit qui peut être vraiment pas mal. Et vraiment vous aider à vous relaxer. Par exemple, si vous avez un travail stressant ou des collègues un peu ennuyeux, voilà, pour faire redescendre la pression, vous sentez ça et puis ça va vous amener ailleurs et vous aider à passer une bonne journée. On a aussi le Health Pack. Donc le Health Pack, voilà, c'est un pack où vous allez retrouver les 16 choses. Donc la base, vous allez retrouver en optimisateur, vous allez retrouver le Manical D. Et vous allez retrouver également un booster qui est en plus et qui n'existe que dans le S-Pack. Donc c'est un produit qui est fait pour 28 jours, c'est des petits sachets. Et c'est vraiment pratique en fait pour les gens qui voyagent ou pour voilà, quand on va au travail, plutôt que d'avoir ces petites bouteilles, ben, au moins voilà, c'est des petits sachets qui se mettent facilement dans le sac à main, en tout cas en tant que femme, ou dans la poche pour les hommes. Donc c'est vraiment pas mal. Les Nutrimil, ça c'est quelque chose que, pareil, je connaissais avant, mais j'hésitais à prendre parce que je faisais pas mal de sport. Et aujourd'hui, j'avais fait le challenge de 28 jours avec USANA. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, un produit très intéressant. C'est un substitut de repas. Donc voilà, 240 calories, donc très peu de calories. C'est sans gluten, il y a 15 grammes de protéines, donc tous les apports en protéines, en fibres et même en vitamines sont dans ces sachets, c'est des shakes protéinés. Donc c'est un format qui est vraiment pratique en fait pour les gens qui veulent perdre du poids, mais aussi qui veulent maintenir leur poids. Donc au déjeuner, donc vous pouvez le prendre au déjeuner, au repas du midi ou au soir, c'est vous qui décidez, ou en collation par exemple, avant ou après le sport. Et voilà, c'est une excellente solution pour les gens qui ont besoin d'un surplus de nutrition de qualité, voilà, pour conserver leur force, leur santé. Donc voilà, les athlètes de haut niveau chez USANA, c'est ce qu'ils utilisent aussi, ou les athlètes même haut niveau. Je pense que Stéphane les a pas mal utilisés également, étant un coureur et un randonneur assidu.
Et vraiment, ça soutient tous les aspects du corps, que ce soit digestif, que ce soit cardiovasculaire. Voilà, c'est vraiment un produit super. Donc, on a aussi un dentifrice qui est vraiment bien. Donc voilà, c'est sans fluor en plus. Ça permet d'avoir les dents blanches, mais aussi d'avoir des gencives en bonne santé. Donc voilà, en termes de dosage, à chaque fois que vous devez vous brosser les dents, vous l'utilisez. Et la gamme de soins de la peau qui est vraiment très complète, vraiment très très complète. Les produits qui sont en gris, c'est les produits avec la technologie Incelligence, Incelligence en français. Donc voilà, avec une technologie aussi Olive Oil qui est vraiment très bien. Donc voilà, là on n'a pas le temps aujourd'hui. Pour faire court, je vais passer dessus, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Et on a quelques protocoles à vous présenter. Donc ces protocoles-là, c'est en fonction des priorités de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pareil, vous pouvez prendre des impressions écran, des captures d'écran ou des photos, mais voilà, c'est juste exhaustif. Ça dépend après, c'est au cas par cas, c'est en fonction de vos besoins également. Qu'on peut faire une proposition, que la personne qui vous a invité peut vous faire une proposition en fonction de vos besoins. Donc, sachant que c'est le même principe, c'est toujours en fonction, c'est toujours les essentials, c'est la base. Voilà, c'est vraiment les multivitamines, minéraux, antioxydants de base qui vont supporter votre corps. Et puis, en complément, vous pouvez avoir donc les optimisateurs dont je vous ai parlé, le Bioméga, donc pour tout ce qui est système nerveux et cardiovasculaire, le Manécal-D. Pour le stress, le Manécal-D pour tout ce qui est magnésium, calcium, le Profavanol C qui est très bien donc, contre le stress oxydatif, le Procosa pour les articulations, les probiotiques donc, pour le système digestif, vitamine D et également donc, pour qu'on a besoin et pour les soins de la peau, puisque voilà, en tant que sportif, on transpire beaucoup, donc la peau aussi. Sécrète beaucoup et on a besoin de la protéger. Et puis, les personnes âgées sont un peu dans le même cas. Je vais passer rapidement sur ces protocoles pour laisser le temps à Stéphane de conclure. Mais par rapport à la chute de cheveux, c'est le même principe, les sels essentials et l'ajout du bioméga, profavanol C, manécal-D, vitamine D. On a aussi un protocole par rapport aux problèmes de peau, donc l'acné, l'eczéma. Ce que je vous disais, certaines femmes ont suivi de l'équipe ont suivi ce protocole et certains clients ont été vraiment très satisfaits. C'est sans chose, Bioméga, Profavanol, je vous laisse lire ou prendre en photo pour le conserver si c'est votre cas. Pour la perte de poids, moi, c'est le programme que j'ai suivi avec les sels sans chose, Bioméga, Manécal-D. Voilà, vous avez tout le temps, vous avez quelques produits qui reviennent puisqu'ils sont vraiment importants pour l'ensemble du corps. Pour les femmes, les règles douloureuses ou irrégulières, vous avez aussi le SAD. Donc, c'est bien aussi par rapport au stress d'ajouter le mind-body balance et le calm response. On peut être un peu plus on edge à ces moments-là. Il y a aussi des femmes qui malheureusement ne peuvent pas tomber enceinte et on a des produits qui peuvent les aider. Pour les femmes enceintes, c'est le même principe, hein. C'est exactement le même principe. Donc, je vous avais juste indiqué pour le bioméga, une petite précision à éviter pendant les trois premiers mois et les deux dernières semaines avant l'accouchement. Problème de sommeil, ça c'est vraiment, je pense, une majorité de la population aussi qui a ce souci-là et un bon sommeil, c'est important. Pensez-y. Des personnes qui vivent dans un environnement stressant, donc qui travaillent beaucoup, travaillent la nuit, c'est la même chose. Voilà, on propose toujours les sessions de choses et ces autres produits. Et puis là, comme encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails pour chacun par rapport au cas particulier de chacun. Mais voilà, on a des protocoles qui sont disponibles. Pour les gens qui font déjà partie de l'équipe, ils sont disponibles sur le Drive avec vraiment tous les produits, quels sont leurs effets, comment ils fonctionnent, voilà, pour vous aider aussi dans vos besoins et dans les avec ces protocoles-là. Et,
Et du coup, je veux juste préciser, voilà, que toutes ces informations de ce soir, voilà, c'est pas des médicaments, hein, c'est des solutions préventives pour aider ton corps à fonctionner de manière optimale. Donc voilà, pour les personnes qui souffriraient d'une pathologie en particulier, faut toujours consulter votre médecin. Et puis voilà, c'est pour vous aider, pour aider votre corps à fonctionner de manière optimale. Ce ne sont pas des médicaments, je tiens à le préciser. Et je pense que Stéphane, du coup, tu vas refaire une petite précision également par rapport à ça pour finir. Voilà, ça c'est d'abord bravo et merci Sarah pour toutes ces explications. Je pense que ça a permis à tout le monde d'avoir pour les uns un rappel, pour les autres un bel éclaircissement sur l'objectif de chacun des produits et le fonctionnement de la gamme. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. Là, je m'adresse tout particulièrement aux distributeurs, mais également à nos futurs clients qui peuvent être là, c'est qu'on n'est en aucun cas dans un système de prescription. Toutes les informations fournies, on n'est pas en train de faire de la médecine. Hein. Si vous avez une pathologie, il faut soigner la personne dont c'est le métier, c'est le médecin. Hein, donc, c'est votre médecin qu'il faut aller voir. Les produits Isana ne sont pas des produits miraculeux. On est vraiment dans une démarche de prévention. On est là en amont, quand on est en bonne santé, pour éviter de tomber malade. En tout cas, apporter tout ce qu'il faut au corps pour faire en sorte de repousser le plus loin possible la maladie. Après, on sait qu'on a certaines fragilités. On l'a tous. Moi, j'ai recommencé la course à pied en pesant 123 kilos. Il est bien évident que je savais qu'il allait falloir que je fasse très attention à mes articulations, à mes genoux, à mes hanches, etc. Et je ne me suis pas posé la question de prendre évidemment mes Essentials, évidemment mon Procosa, mais également du Bioméga, du Proflavanol C200, et j'en ai pris deux le matin, deux le soir. Donc voilà. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais apporter un stress oxydatif important à mon corps. Et la supplémentation Isana prend vraiment tout son sens. Okay, mais si vous avez une pathologie de quelque nature qu'elle soit, et amis distributeurs, si des gens viennent vous voir avec une pathologie, vous pouvez dire à la personne, écoute, moi, par rapport à ce que tu as, il me semble judicieux de prendre tel et tel et tel produit en utilisant les protocoles qu'on met à votre disposition. Vous avez ça dans Drive. Les protocoles sont faits par des médecins, hein, donc c'est justifié, etc. Vous pouvez remettre ce protocole, mais ce qui est important, c'est que c'est le médecin derrière qui valide si la personne a une pathologie. Okay, c'est pas notre métier. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et le rappel, je vous l'ai dit dès le départ, hein, mais la santé préventive, qui est vraiment ce domaine que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, dans lequel j'approfondis les choses, etc., mais c'est quelque chose d'absolument gigantesque. J'ai mon beau-père, mais qui est un ancien de l'INSEE, qui est un ancien des cadres sup de l'INSEE, qui m'a fait passer une étude comme quoi, alors lui, il l'a fait passer dans le cadre de la réforme des retraites en disant que c'était une vaste fumisterie, mais moi, j'ai tout de suite vu ce qui se passe pour nous, et d'ailleurs, je l'avais publié sur le groupe. Cette étude montre que l'espérance de vie, c'est une étude de l'INSEE, hein, montre que l'espérance de vie recule chaque année depuis 7 ans en France. L'espérance de vie recule depuis 7 ans en France chaque année. On vit, contrairement à ce qu'on entend, on a eu toute une période où on vivait de plus en plus longtemps, et bien depuis 7 ans, on régresse. Alors, pas de 5 mois par an, hein, mais ça régresse, on arrête de progresser. Or, le corps est fait pour vivre 130 à 140 ans d'espérance de vie moyenne. Là où les records sont à 120 ans, avec Jeanne Calment, hein, quelque chose dans ce goût-là, c'est un record, c'est exceptionnel, ben, ça devrait être l'espérance de vie moyenne. C'est-à-dire que la moitié de la population devrait mourir à cet âge-là. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette façon de santé préventive. L'exercice physique, la gestion de son stress, une alimentation saine, des rapports sociaux. Ça ne veut pas dire plus faire la bringue, au contraire, il faut faire la bringue. Mais quand on fait des excès, on compense derrière. On ne fait pas des excès tous les jours, etc. Et une supplémentation, évidemment, d'extrêmement bonne qualité. C'est là que Usana intervient. Mais tout ça, c'est dans un cadre de vie général. Hein. Et je vous invite vraiment
Je ne sais pas si Nico, tu as mis le lien de askthescientist.com/fr. C'est un site qui va vous permettre d'avoir tout un tas d'informations justement sur la santé préventive. Donc, vous avez également l'information sur les produits Visana, etc. Hein. Mais allez visiter ce site Ask the Scientist. Pour les distributeurs, vous savez que vous pouvez partager un lien qui est personnalisé, qui, d'ailleurs, si vos clients souhaitent commander, ça va sur votre boutique. Hein. Donc, de bien le personnaliser et d'apporter vraiment de l'information sur ce style de vie dont nous faisons la promotion qui est juste essentielle. Okay? Donc, pour nos amis invités, eh bien, si vous souhaitez maintenant tester ces produits, ben, je pense que ça fera une grande différence dans votre vie. Sachez que, ben, avec la boutique de la personne qui vous a invité, vous serez livré à peu près dans un délai de 5 jours. Voilà, donc. Bienvenue dans la famille, dans The Healthiest Family on Earth, donc la famille en meilleure santé au monde. C'est comme ça qu'on définit les clients et les distributeurs USANA. Et j'en profite pour vous dire, donc ce soir, on avait une réunion avec un horaire un petit peu décalé par rapport à l'horaire habituel. Pourquoi? Parce que ben, ce soir, c'est la réunion de lancement du programme de 28 jours pour être prêt pour l'été. C'est donc un programme de body sculpt, donc sculpter son corps. Donc, clairement, on va essayer d'aller taper dans la masse grasse tout en conservant une belle masse musculaire et en démarrant quelque chose de nouveau, prenant de nouvelles habitudes. Et donc, ce programme donc, qui va être lancé par USANA au niveau Europe, eh bien, nous avons une intervention dans quelques minutes. Donc, sur Zoom, Nico aussi, si tu peux mettre le lien à tout le monde sur la discussion. Donc, on a un webinaire avec cet homme-là, donc Russ Barton. Alors, aux dernières nouvelles, quand je l'ai vu à Salt Lake, il avait une énorme barbe. Donc là, je ne sais pas s'il l'a coupée, mais je crois que cette photo, elle remonte à quelques années. Donc, c'est un peu fake news. Hein. Il a quelques années de plus et une énorme barbe. Donc, voilà, toujours est-il que voilà, il est vraiment. Bah, on a eu l'occasion de rencontrer. Mince. Austin Winegar, donc à Lyon, pour ceux qui sont venus à Lyon. Bah, c'est son adjoint. Donc, il est manager senior de l'éducation santé et scientifique chez USANA. Et donc, voilà, il va vraiment faire un webinaire sur la gestion du poids et les solutions USANA. Donc, là, il va vraiment faire un focus aussi sur les produits et notamment les shakes et tout ça. Voilà, donc vous avez le lien Zoom ici. Je vais le laisser à l'écran. Et puis, bah, c'est le moment. Hop, si vous souhaitez. Activez votre son et vous pouvez poser vos questions. On est à votre disposition. Damien, ça va? Ça t'a permis d'y voir un peu plus clair? Activez ton. Ah, normalement, on peut. Ah, ça y est. Ouais. Bon, j'avais bloqué avant pour éviter les soucis, mais vas-y. En effet, oui, tout à fait. Bah, je commençais déjà à avoir enfin, identifier quelques produits effectivement par rapport à leurs usages, leurs recommandations. Mais c'est vrai que je ne les connais pas encore tous sur le bout des doigts. Et donc j'en ai découvert certains ce soir. D'accord. Bon, bah, écoute, bonne première semaine d'utilisation et voilà, j'espère que ça Merci. va bien toute la famille. Merci. Ok. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas vu dans le chat. Dans le chat, je n'ai pas vu. Hop, il y a quelques questions. Alors, moi, je passais les slides, donc je ne pouvais pas voir les choses, mais bon, a priori, il y a une question, mais Sarah a répondu. Ouais. Et puis par rapport à la question de Damien, par rapport à la postologie, oui, c'est bien deux comprimés de manicaldé par jour. Donc, Alors, il y a eu. comment dire, il y a de base, ils disent un le matin, un le soir. Et effectivement, pour les sportifs et les gens qui veulent vraiment faire ils sont en âge de faire attention à l'ostéoporose, bah il vaut mieux booster à deux. C'est mieux. Voilà. Bonsoir Virginie, une question peut-être? Alors, on n'entend pas.
Alors attends, Virginie. Ah voilà, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Bonsoir. Pour une fois, j'ai pu me connecter. Moi, j'ai une question. J'ai vu sur la ISPAC, vous avez dit tout à l'heure, c'était des doses de 28, mais c'est parce qu'il faut en prendre matin et soir ou parce que sur la boîte, il y a marqué un par jour? Non, c'est matin et soir. Donc, c'est 56 en fait. Oui, il y a 56. Ah, c'est matin et soir parce que sur le paquet, je crois qu'il est marqué que le matin. Non, non, c'est. Alors, je dois avouer que j'utilise pas trop le MySpack, donc je ne sais plus, mais c'est vraiment fait pour faire un le matin, un le soir. D'accord, ok. Je vais regarder sur la boîte. Où ça passe mal. Mais que j'avais lu que c'était un par jour, mal parce que je l'utilise, alors du coup, tu as un bout. Non, mais très bien, en tout cas, merci. C'est très intéressant comme. Ouais, ça permet de remémorer un peu les choses qu'on a, les choses qu'on sait déjà, mais il y a des choses qu'on oublie. Faut qu'on... C'est bien. Ouais, en fait, Virginie, sur les boîtes, c'est vrai que des fois, c'est pas évident. C'est juste qu'ils disent prendre un sachet deux fois par jour. Donc, d'accord. Du coup, c'est quand ils sont ensemble, ouais, normalement, il y a écrit AM et PM dessus. Bah non, pas pour les miens. Moi, j'ai pas M et PM. Ouais. Bah en tout cas, non, mais c'est vrai que des fois, ils indiquent juste deux fois par jour, tu sais, prendre un comprimé deux fois par jour ou prendre deux comprimés deux fois par jour. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il faut faire le petit calcul. Mais bah, tu fais bien de poser la question. Je trouvais ça bizarre. 56, ça faisait un peu. Bah moi, j'ai marqué prendre le contenu d'un sachet par jour avec un repas. J'ai pas la même chose. Ah oui? Ouais. Donc c'est pour bien ça que... Alors, le repère hein, pour tout le monde, c'est que tous les packaging Usana sont faits pour 28 jours. Donc, là, j'en ai 56, moi. Donc quand tu as 56 sachets, c'est fait pour 28 jours, un matin, un soir. Bah ouais, mais c'est écrit un sachet par jour seulement sur la boîte. J'en suis surpris et là, je laisse tous les yeux. Ouais. C'est bien le matin et le soir. Voilà. Okay. Après, là. Parce que je trouvais que ça faisait beaucoup, quoi, parce qu'il y a deux Essential Booster dedans en plus de. C'est ceux-là que tu as? Tu as un truc comme ça? Ouais, avec cette boîte-là, et sur cette boîte-là, il y a marqué un sachet par jour. Mmh. 3, 4, 5, 6. Et en plus, j'ai pas écrit un matin, un soir dessus. Et t'as 5 dans chaque? Les mêmes, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Ah ouais. Bah écoute. Écoute, moi quand je les ai utilisés, c'était deux. Donc voilà, Ouais, ok. On va pas. Non, c'était pour savoir si c'est moi qui les utilisais mal ou pas, du coup. Très bien. De toute façon, voilà, il y a quelque chose, une question que Nicolas avait posée à Austin Winegar. C'était de savoir si, parce que bon, voilà, on prend tous les Sales Essentials plus des optimizers, et s'il n'y avait pas de risque quelque part de surdosage ou quoi. Et la réponse d'Austin Winegar était très claire là-dessus. Il a dit, dès lors que vous respectez les doses prescrites, donc celles qu'on a annoncées là dans la formation, qui sont faites par Usana, hein, à la base, hein, toutes ces formations-là, comment dire, dès lors qu'on respecte ces dosages-là, on n'a aucun risque de surdosage pour le corps. Hein. Au contraire, on est vraiment dans l'optimisation de la santé. Ok. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, bah, si c'est tout bon pour tout le monde. Nous reste à faire une petite pause avant de pouvoir se connecter dans un quart d'heure pour suivre la présentation donc, d'Usana Europe, donc, qui est l'intervention j'ai déjà oublié son, de Ross, voilà, de Ross Barton. On va voir s'il a toujours ou pas sa barbe. Voilà, bah, comme d'hab, ça a été un plaisir. Bravo encore à Sarah et Nico pour ton intro. Et puis, bah, je vous dis à tous, à très bientôt pour les prochaines formations. Bonne soirée à tous. Bye bye. Salut.